c'est parti avec un très bon départ de la deuxième ligne. Nicolas Barthe qui a tenté de faire une fébro à Pierre-Louis Loubet, mais c'est pas passé. Ah, c'est pas passé, mais en tout cas, c'est bien tenté. C'est vrai que ça part mieux à gauche parce que la piste elle est beaucoup plus rayée. Attention ici au contact avec Louis Gervaison qui est passé, mais petit coup de raquette. Ah, ils sont trois là, ils étaient trois. Ça va pas passer pour tout le monde. Hein. Ah non, mais c'est pas passé pour tout le monde. Ah ben c'était pas possible, ils étaient trois de front, ça pouvait pas passer. C'était pas possible. Et celui qui en a fait les frais, il me semble que c'est Nicolas Barthe d'ailleurs, puisqu'il se retrouve en dernière place de ce peloton bouillant. Oui, bouillant, et c'est vrai qu'on regarde tout de suite un certain Loubet. Oui, c'est lui. Première ligne dans cette finale. Et il est déjà là, il a pris ses marques hier, c'était un peu une spéciale de rallye. En tout cas aujourd'hui, eh bien, on le voit ici, il en profite, il se fait plaisir. Et puis lui, il a déjà une petite course en peloton, un petit peu en carte, mais en voiture, c'est les premières courses en peloton pour Pierre-Louis Loubet. Et il est en ce moment deuxième derrière Nicolas Prost, s'il vous plaît, qui pour l'instant assure avec un peu plus d'une seconde et demie la tête de cette finale de la catégorie Ligue Pro, alors que Louis Gervaison a gagné une place et il est pour l'instant troisième. Attention entre Jérémy Sarri et... Ça passera pas. C'est passé, c'est passé. Monsieur, c'est passé. Jérémy Sarri, pilote de circuit aussi émérite. Et voilà, il n'a pas eu peur du tout de faire le frein à Nathalie Berton, le grand vainqueur d'hier. Voilà, comme quoi, hein, les cartes sont complètement redistribuées sur cette deuxième course. Et le pire, et le meilleur, c'est justement cette troisième course cet après-midi. Ça va encore changer, oui, c'est génial. C'est génial, merci de nous proposer tous ces changements. Alors que la voiture de Jérémy Sarri claque un peu des dents du côté du capot avant. Allez, regarde le pilotage de Nicolas Prost, c'est impérial. C'est-à-dire que le mec sait exactement là où il va mettre les roues. Il va pouvoir non seulement aller chercher le record du tour en 50.114 pour l'instant, et surtout, c'est un métronome. Moi, je trouve que c'est génial. Et il est sur le coup. Il y en a un qui surveille ça de près, c'est Pierre-Louis Loubet d'ailleurs. Il est en train d'apprendre énormément dans les roues de... Et oui, parce que c'est en finale, tu as raison Philippe. Oui. Philippe, tu as raison, c'est vraiment en finale que l'on peut apprendre où freine l'adversaire, où il réaccélère, où il est plus vite, où il est moins vite, et où on peut porter des stockades, comme on dit chez moi. Ah oui, avec les bandes de riz. Les bandes de riz. Allez, pour l'instant, toujours... Nicolas Prost en tête, il avait 1,6 seconde d'avance, exactement le même écart avec Pierre-Louis Loubet qui conforte sa deuxième place, Louis Gervaison troisième un petit peu plus loin, ensuite nous allons retrouver Jérémy Sarri encore plus loin, Nathanaël Berton, Christophe Ferrier et Nicolas Barthe. C'est Nicolas Barthe qui a fait la plus mauvaise opération, il était troisième, il se retrouve septième. La plus mauvaise opération, c'est pour le team Sébastien Lorbrassing. Il faut être très clair parce que Jérémy Sarri, il n'a rien à faire ici. César Gazot dans la petite finale aussi, tout à l'heure en élite. Non, il faut absolument trouver des solutions chez Sébastien Lorbrassing pour revenir au premier plan dans ces grandes finales comme ils savent le faire. Mais en tout cas, cette finale, il faut l'assumer. Tout à l'heure, ça sera Balneuve. 4 Balneuve, 4 pneus neufs pour la dernière course, sa troisième course du week-end. Et un nouveau tracé qui va encore nous apporter sans doute... Trois salles, trois ambiances. C'est absolument ça. Et donc, on devrait avoir une nouvelle fois une ambiance nouvelle. Et sans doute que ça va poser encore d'autres problèmes aux pilotes, puisque les trajectoires vont être complètement différentes. Alors, pour l'instant, Nicolas Prost en tête, toujours le record du tour dans la poche. Pierre-Louis Loubet qui a repris un tout petit peu de temps. Hein, il a repris 2 dixièmes. Mais il revient, alors que lors du prochain passage, la direction de course signifiera aux pilotes qu'ils rentrent dans leur dernier tour. Ah, le dernier tour ici, c'est toujours le plus compliqué, même pour Nico, parce qu'il a 1,346 seconde d'avance et il ne faut surtout pas se déconcentrer. C'est là qu'il faut être vraiment en harmonie avec soi-même. La faute est tellement arrivée vite. Il faut vraiment rester concentré, même avec 1 seconde d'avance. On voit bien dans les rétroviseurs que l'on est en avance, mais il faut surtout rester concentré et pouvoir finir ce dernier tour. Encore un virage ici maintenant pour Nicolas Prost qui va dans la descente infernale ici à Isola. Ce grand virage à droite et c'est l'arrivée pour justement un tour. Il reste un tour et il est un peu décroché là. J'ai l'impression, Pierre-Louis Loubet, alors qu'il était à 1,6 seconde. Il reste bien placé derrière Nicolas Prost. Il en aura vu des choses dans ces 6 tours de la finale qui vont sans doute nous servir pour tout à l'heure. Il n'aura rien lâché, hein, Pierre-Louis Loubet. Il aura été sans arrêt derrière Nicolas Prost. Ouais, mais bon, c'est vrai que Nico, il n'y a pas non plus cette place dans cette finale-là. Mais le niveau est tellement supérieur. Le niveau est tellement incroyable ici sur ce trophée Andros en Elite Pro. Que quand vous faites une pole position dans cette finale, eh bien automatiquement c'est déjà une perte. Bah oui, parce que de toute façon on a dit il y a 10 pilotes qui peuvent rentrer facilement sur le podium tous les week-ends, donc ils peuvent gagner même tous les week-ends, donc forcément au bout d'un moment il y en a qui se retrouvent
à jouer la finale de classement derrière, mais c'est déjà bien d'être là. Et voilà, drapeau à damier pour Nicolas Prost qui s'impose avec le retour du tour. Pierre-Louis Loubet qui termine à 1 seconde 2, il a encore repris du temps. Bon, il faut dire aussi que Nicolas a dû assurer un petit peu dans le dernier tour. Louis Gervaison va prendre la 3e place de cette finale devant Jérémy Sarri, Nathanaël Berton, Christophe Ferrier normalement et Nicolas Barthes qui va prendre la 7e place de cette finale. Voilà, tour de décélération donc pour permettre aux pilotes d'être salués des commissaires, c'est bien aussi ça, de passer près des commissaires qui auront assuré leur sécurité tout au long de ce week-end.